Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un plugin WordPress qui est vraiment très très cool et qui est une véritable machine à vendre pour peu que vous l'utilisiez correctement. Ce plugin, il est beaucoup moins connu que les autres plugins dont je parle régulièrement. Les plugins dont je parle régulièrement sur Traffic Mania, c'est ceux que j'utilise par exemple pour capturer les emails, okay, pour faire la pop-up qui apparaît. Ça, c'est Thrive Leads. Ok, donc c'est édité par la société Thrive Theme, qui est en Suisse et qui fait vraiment des plugins WordPress incroyables. Et d'ailleurs, c'est une success story. Hein. Aujourd'hui, chez Thrive Theme, ils doivent être peut-être une centaine de personnes. Enfin, c'est Shane Mulhoff qui a créé ça tout seul, qui a commencé en vendant de la formation en ligne et qui s'est rendu compte que ça manquait de plugins, ça manquait d'outils performants. Il s'est dit, je vais créer une société là-dessus. Enfin voilà, aujourd'hui, il est à la tête vraiment d'une très très belle société de logiciels qui doit valoir plusieurs millions de francs suisses. Alors, donc il y a pour les emails, il y a Thrive Leads. Puis pour la conception des pages, il y a Architect, qui est vraiment un outil très très cool pour pouvoir concevoir de jolies pages, des jolies pages d'accueil, des jolies pages de vente, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des outils très très cool dont je parle très souvent. À noter, j'en profite parce que on l'attendait depuis longtemps. Ils ont sorti un truc qui est révolutionnaire sur les thèmes WordPress. Vous saviez, avant, on achetait un thème, on l'installait et puis on avait un peu un truc structuré qu'on pouvait un peu customiser, rajouter son logo, etc., changer les couleurs. Ils ont changé, ils ont inventé un truc. C'est les seuls sur le marché à avoir fait ça. C'est révolutionnaire. Mais ils ont vraiment créé un truc pour construire son propre thème en faisant glisser les éléments à la souris. Okay, donc au lieu d'acheter un thème où vous allez avoir un truc qui est un peu déjà structuré, et bien là vous partez de la page blanche et vous faites comme vous voulez sans avoir besoin de coder. Et donc vous avez tous les éléments qui sont disponibles dans une colonne et avec la souris vous les faites glisser et vous concevez votre thème complet de blog. Donc ils ont bossé des mois et des mois et des mois là-dessus. Ça y est, c'est sorti le 2 mars 2020 et c'est disponible sur leur site. Donc voilà, c'est un truc qui va vraiment changer, on dit que c'est un game changer, ça va changer le jeu en matière de design parce que bah, en gros on n'a plus besoin de graphistes pour customiser son propre blog. Donc c'est une vraie évolution ce nouvel outil de Thrive Theme. Mais c'est pas celui-là dont je voulais vous parler. Alors moi je suis affilié à Thrive Theme, je le dis, il n'y a pas de souci, parce que j'utilise ça depuis des années. Je sais que ça fait partie des meilleurs outils disponibles sur le marché. Donc à chaque fois que j'en parle, je mets des liens affiliés. Si vous cliquez dessus et que vous achetez, je toucherai une commission. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien affilié si vous n'avez pas envie. Moi, je le dis en toute transparence. Le plugin dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Ultimatum. Et Ultimatum, c'est vraiment un truc qui est super cool et que chaque blogueur un peu sérieux devrait avoir en stock. Ultimatum, ça permet en gros de faire deux choses. Et on va explorer ces deux fonctionnalités ici. Alors, j'ai pas envie de faire des démonstrations en filmant mon écran, machin. Il y a plein de tutoriels Ultimatum sur YouTube. Moi, je vais vous expliquer les fonctionnalités d'Ultimatum et il y en a deux. La première, c'est de faire des bandeaux de promotion. Des bandeaux de promotion. Ça, c'est un truc que je fais, moi, par exemple, quand je fais des soldes générales. Alors, j'en fais quasiment jamais. Je l'en fais une fois par an. Et je réouvre à ce moment-là l'ensemble de mes formations et je propose un discount. Et ça dure genre 24 heures. Et pendant 24 heures, voilà, je vends, enfin, je fais en une journée, je fais quasiment un mois de chiffre d'affaires. Et Ultimatum, c'est un élément super important de ma stratégie. C'est-à-dire que sur le blog Traffic Mania, Ultimatum va faire apparaître un petit bandeau en bas de page. Avec un compte à rebours, donc il reste 0 jour, 12 heures, 22 minutes et 10 secondes, et tac, 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 ça bouge, hein, je veux dire, c'est un vrai compte à rebours. Promo flash sur tout le site, là je customise le message, promo flash sur tout le site, cliquez pour voir. Et je mets un lien qui renvoie vers la liste de toutes mes formations. Et ce qu'il y a de cool, c'est que ce bandeau, donc bien sûr, il apparaît sur les ordis, il apparaît sur les téléphones, il apparaît sur les smartphones et il va être visible
sur toutes les pages et sur tous les articles du blog. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas forcément inscrit au blog et qui découvre Traffic Mania ce jour-là, il voit direct qu'il y a une promo. Donc ça me rajoute encore des ventes. Donc c'est vraiment un moyen d'amortir le plugin qui ne coûte pas très cher, hein, qui doit coûter moins de 100 euros. Donc bien sûr, le bandeau, on le customise, les couleurs, les machins, tout ce qu'on veut. On peut le mettre en haut, on peut le mettre en bas. Il y a plein de designs différents. Et quel que soit la page où les gens arrivent, pouf, le bandeau va s'incruster sur le blog et ça permet vraiment d'annoncer aux gens qu'il se passe un truc, quoi, qu'il se passe un gros truc sur le blog. Et donc voilà, c'est vraiment un truc qui est top, surtout si vous mettez des couleurs qui tranchent. C'est-à-dire que moi, la dominante de Traffic Mania, c'est rouge et blanc. Moi, les bandeaux, là, je les fais en jaune et noir. Donc, bam, il y a un truc qui apparaît avec un compte à rebours et qui dit, voilà, aujourd'hui, promo générale sur tout le site. Donc, ça, c'est la fonction numéro 1. Et c'est vraiment, vraiment cool si vous faites de la promo. Voilà, si vous faites de la promo, si par exemple, toutes les semaines, vous réouvrez un produit en disant, cette semaine, je réouvre le truc à moins 40%, c'est bien d'avoir ça. Ou alors, quand vous faites de la promo générale, une fois par an, type solde. OK ? Le deuxième truc... Et ça, c'est génial pour les gens qui vendent avec des tunnels, c'est que ça fait de la promo evergreen. Alors là, écoutez bien parce que c'est un peu, je vais pas dire compliqué, mais il faut être concentré. Et faire de la promo evergreen, c'est le meilleur moyen d'être crédible quand on fait du tunnel avec de la promotion. La plupart des gens, ils ont un blog avec un produit, le produit P1, qui vaut 100 euros. Ok ? Et donc, si je clique sur « Découvrir nos produits », pif, j'arrive sur la page de vente du produit P1. Il y a tout l'argumentaire, nanana, mon produit, il est génial, papapapapapa, 100 euros avec le bouton. OK ? Et il y a plein de gens qui font des tunnels, c'est-à-dire que vous vous inscrivez à la newsletter et vous recevez un email. Email 1, email 2, email 3, on crée du lien. Email 4, je commence à vous dire « Eh, au fait !» J'ai mon super produit P1 et comme vous venez de vous inscrire, à vous, rien qu'à vous, il coûte 50 euros. E5, E6, E7, donc les emails passent. Et puis là, c'est dernier email. Attention, dernier email pour acheter le truc à 50 euros. OK ? Le souci de ça, c'est quoi ? C'est que, en général, pour faire ça, ce que vous faites, c'est que vous faites une autre page de vente, PDV2, vous faites en gros un copier-coller de la première page de vente, sauf que le prix, vous le mettez à 50. Et vous renvoyez les liens vers cette page-là. Le problème, c'est qu'est-ce qui empêche les gens de garder, qu'est-ce qui empêche les gens de garder l'email, de cliquer le lien et de l'acheter plus tard. Et vous, vous envoyez des emails en disant « Attention, c'est le dernier jour, Ok, moi, mon gars, je garde ton email, je reviendrai le mois prochain et puis je l'achèterai ton truc à 50. » Ou alors, je me désinscris, je me réinscris dans quelques mois et je l'aurai ton truc à 50. Donc, vous voyez, c'est pas très sérieux. Thrive Ultimatum, il règle ce problème en faisant de la promotion evergreen. C'est-à-dire que ça fonctionne, donc c'est la deuxième fonctionnalité d'Ultimatum, ça fonctionne avec trois pages. Vous avez la page de vente du produit à 50 euros. Vous avez la page avant la promo et vous avez la page après la promo. Donc, vous créez trois pages. OK ? Vous faites vos emails, pareil. Email 1, email 2, email 3, jusqu'à email 7, par exemple. Et donc, lorsque les gens vont rentrer dans le tunnel, je ne sais pas, dans email 1, voilà, on va faire le cas le plus simple, vous mettez un lien. Lorsque les gens vont rentrer dans le tunnel... Un lundi, par exemple, disons que Paul rentre dans le tunnel un lundi. Paul rentre dans le tunnel un lundi, il reçoit le premier email. Il clique sur le lien, et bien Ultimatum, à ce moment-là, va déclencher un compte à rebours de 7 jours, mais juste pour Paul. Donc Paul, il va recevoir un email 2 qui envoie le lien, qui va le renvoyer là, et le compte à rebours, boum, on est au deuxième jour, là il ne reste plus que 6 jours, plus que 5 jours, 0 jour, ok ? Et ce qu'il y a de génial, c'est que si Paul, il y va la semaine d'après en se disant « Oh, de toute manière, ton truc c'est du bidon, machin », s'il y va la semaine d'après et que son compte à rebours personnel, il est arrivé à 0, Ultimatum le renvoie sur la page après, où là c'est écrit « Offre expirée ». C'est-à-dire que ce n'est pas de la promo bidon. C'est-à-dire que si la personne, elle n'achète pas le produit
pendant la durée du tunnel, elle ne peut plus l'acheter après. Et même si elle se désinscrit, elle se réinscrit, pareil. C'est ça qui est génial, c'est que c'est de la vraie promo. Et c'est encore plus puissant que ça. Parce que imaginez bien que si vous avez Sophie qui s'inscrit, non pas le lundi, mais le mardi. Sophie, elle s'inscrit le mardi. Elle, on est d'accord, le mardi, elle va le recevoir, l'email 1. Donc, il lui reste 7 jours. Alors que Paul, le mardi, il en est à l'email 2, il lui reste 6 jours. Eh bien, Ultimatum fait ça. Ultimatum fait un truc qui est différencié. C'est-à-dire que le chronomètre que va voir Paul n'est pas le chronomètre que va voir Sophie. Paul, le mardi, il va voir sur la page de vente qu'il lui reste que 6 jours. Sophie, elle, le mardi, comme c'est son premier jour, elle va voir qu'il lui reste 7 jours. Et c'est ça qui est un truc de malade sur ce plugin, c'est que en fonction des dates des gens, des inscrits, ils recommencent à chaque fois le chronomètre au bon moment. D'accord ? En fonction de leur date d'inscription. Et donc, c'est un vrai plugin de tunnel de vente qui s'adapte aux gens. Ok ? C'est pas un truc bidon. Vous aurez vraiment une page qui indiquera toujours le bon chronomètre à la personne en fonction de sa date d'inscription. Et pareil, si une personne s'inscrit dans un mois, dans deux mois ou quatre jours après, le truc s'adapte. Et c'est ça qui est vraiment génial si vous faites du tunnel de vente. Ce plugin, c'est une arme. Alors le lien pour ce plugin, le lien d'achat, si vous voulez voir la démonstration vidéo, il est dans la description. Effectivement, c'est un lien affilié, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, je vous partage juste un outil que j'utilise moi-même qui est vraiment cool. Rien que pour sa première fonctionnalité, sur les soldes, sur les promotions, le petit bandeau qui apparaît, rien que pour ça, c'est déjà une tuerie. Mais si vous faites du tunnel, à mon avis, il vous le faut si vous êtes un brin sérieux. Voilà, je suis ravi d'avoir pu partager avec vous cette explication sur Thrive Ultimatum. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route ici. Mais si vous travaillez sur les tunnels, je sais que ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées. Eh bien, ce plugin résout tous ces problèmes. En plus de ça, ce n'est pas un truc qui est en vente en abonnement. Il est en vente en abonnement si vous voulez acheter tout le pack des produits Thrive Thème, mais on peut l'acheter en licence seule. Donc une fois que vous l'avez, il est à vous pour toujours et vous n'allez pas repayer comme par exemple vous pouvez le faire avec des machins genre ClickFunnels ou Lead Pages qui coûtent un bras tous les mois. Là, vous le payez une fois, il est à vous. Donc, allez voir la page de démonstration. C'est vraiment, 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 une fois que c'est mis en place, voilà, c'est vraiment une arme absolue pour les tunnels de vente. Et c'est encore une fois, si vous ne faites pas de tunnel, très utile pour les soldes. Voilà, évidemment, tout ceci ne fonctionne que si vous avez du trafic. Si vous êtes en manque de trafic, cliquez sur le lien et inscrivez-vous à la newsletter de Traffic Mania parce que vous recevrez une formation trafic d'une heure qui est valable, qui est pertinente. Vous allez comprendre comment fonctionne le trafic Internet et vous allez voir qu'on dit beaucoup, beaucoup de bêtises sur le trafic Internet. Ça vous permettra aussi de recevoir des astuces email exclusives réservées uniquement aux inscrits. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Salut !